Serre. Biche. Tu sais ce que c'est, un tigron? Bah ouais, c'est le pote de Winnie l'ourson. Et j'avais la peluche quand j'étais môme. Mais non, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est quand t'as un tigre. Allô? Ah, enfin un cher compatriote à l'appareil. Mais vous faites ça comment? Et vous êtes qui? Bah alors, vous ne me reconnaissez pas? C'est Jacques. Jacques Chirac. Oh, c'est qui du coup? Apparemment, c'est Jacques Chirac. Mais t'es con! Jacques Chirac, il est mort, c'est juste un bouffon. Mais vous êtes pas mort? Alors en fait, je suis bien mort, mais je suis devenu un génie. Je peux ainsi réaliser deux vœux. Je vous écoute. Putain, mais il est radin, ce gros bâtard, là. C'est trois vœux, normalement. C'est un radin, là. Vous êtes radin. Et qu'est-ce qui nous dit que vous racontez pas des cracks? Vous avez faim? Ouais, un peu. Eh bien, vous allez manger des pommes. Ok, elles ont l'air bonnes, vos pommes. On va en discuter avec mon associé et on vous rappelle. Comment on le rappelle? Je sais pas. Ça doit être magique, son truc. T'inquiète. On lui demande quoi, du coup? 10 000 balles. Dans une belle mallette, bien rangée, comme ça. Ok. Oui. Tu vois? Allô, Jacques? On a trouvé. On veut 10 000 balles. Dans une belle mallette sécurisée. 10 000 balles. Marché conclu. Attention, ça arrive. Oh, elle est trop stylée, la mallette. Merci, Jacques. Tu nous rappelles quand on aura trouvé le deuxième? Affirmatif. Oh, tu crois que c'est bien ce que je crois? Eh, il s'est bien foutu de notre gueule, ton génie de merde, là! Putain! Alors, mes loulous, heureux? Tu déconnes? T'as chié dans la colle, ma parole! C'est des francs! Des putains de francs! Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça, nous? Eh bien, vous pouvez toujours investir dans une belle Renault Fuego. Écoute-moi bien, vieux débris! Tu vas nous rendre notre vœu immédiat... Putain! On va faire quoi avec ça, nous? Je sais pas, mais moi la mallette, je la trouve sympa. Hein. Si tu la veux pas, je la garde. Hein. Vas-y, laisse tomber. Léna aura sûrement une meilleure idée que nous. Elle est calée sur la 5ème République. Viens. J'arrive. Bon, les tocards, si j'ai bien compris, il y a le fantôme de Chirac là-dedans. Et il exauce des vœux. Ouais, deux. Et vous avez niqué le premier avec un truc d'épi? Mais non, on l'a pas niqué. On a une belle mallette, quand même. Arrête. Ok. Vous permettez? Comment ça fonctionne, votre truc? Allô? Bonjour, mon petit. C'est une voix bien agréable que j'entends là. Déjà, le Jackie va se détendre. Et il va me prouver qu'il est bien le génie qu'il prétend être. Vous faites bien de le demander. J'allais vous faire un petit cadeau. Ça marche à tous les coups. Vas-y. Non. Quand vous étiez à la tête du pays, vous avez considéré l'avancée du droit des femmes comme une opportunité politique parfaite pour gagner des voix. Vous m'écoutez là ? Dites-moi, Poussinette. Mon vœu, c'est que l'égalité soit appliquée et respectée, dans la loi comme dans la société. Peu importe ton genre, ton orientation sexuelle, tes origines, ta religion, ou ton style, je veux que l'égalité n'appartienne plus à un débat. La preuve, c'est encore de bons sujets de scénario, écrits par des cis-hétéro-patriarcats. Bon, je ne comprends rien à ce que vous me dites.
Cessez de faire de l'humour. Que voulez-vous vraiment? Mais c'est super sérieux! Mon petit, vous êtes très drôle et certainement très charmante. Mais le marché des vœux est une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est comme qui dirait, une affaire d'homme. Voulez-vous bien repasser le combiné à vos amis et aller leur chercher une petite bière fraîche? Vous serez bien mignonne. Ah, c'est vrai que moi je serais pas contre une petite mousse, moi, toi. Ah ouais? Alors? Elle manque pas de tempérament, votre amie. Elle me rappelle un peu cette belle petite jeunette avec qui j'avais fricoté. Miss Médoc 97, il me semble. C'est pas ta mère, ça? Papa? Les Français. Tous 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 les Français. Mes chers compatriotes, les Français. Je serai le président de